Le numéro 25 qui ouvre cette section de femelles âgées. Elle est née le 20 avril. Elle est née le 20 avril. C'est une fille de No Risk at All, un jeune étalon No Risk at All, eut à Bâle de la mère par Capgard et la grand-mère est par Passingcell. On va pouvoir marcher directement. Figurez-vous que c'est la souche du phénoménal Archibald, la souche toute proche, hein, parce que c'est sous la troisième mère Rennie. Voilà, qui a remporté à 5 reprises le Grand Cross de Cran. Enfin, imaginez-vous, à 5 reprises le Grand Cross de Cran, c'était le Al Capone du Cross Archibald, un exploit qui n'a jamais été accompli et il va falloir se passer un petit peu de temps avant que ce soit de nouveau accompli. 5 victoires dans le Grand Cross de Cran sous la selle de Philippe Bréchet, entraînement de Philippe Corré-Martin. No Risk at All, jeune étalon qui nous propose ici sa troisième génération de foal, parce que les premiers No Risk at All sont âgés. Non, la deuxième génération de foal, pardon, parce que les premiers No Risk at All sont yearling. Il y en avait d'ailleurs qui passaient à Osarus à la vente. Choquant, j'en ai acheté une. Alors, No Risk at All est donc la mère par Capgard. La mère n'a pas couru. Here. Philippe by No Risk at All, the young sire No Risk at All. From a very, very strong jump family, No Risk at All. And the dam is the niece of the phenomena Archibald, the memorable Archibald, who won the Grand Cross de Cran 5 times. A 5-time winner of the Grand Cross de Cran. And here is the niece by No Risk at All.